Nouveau-Mexique. Les grands espaces de nos westerns sont sortis de l'écran et nous allons les parcourir. Les cow-boys ont laissé la place aux rangers, ces sortes de gardes des eaux et forêts qui ont pour mission de protéger les parcs nationaux. Ils nous amènent à pied d'œuvre. Parmi eux, des spéléologues chevronnés. On les rencontre plus souvent coiffés d'un casque à lampe que d'un Stetson. C'est le cas de Ron Kerbo. Il est le spécialiste de la préservation des cavernes du parc national de Carlsbad. Il va nous guider et d'entrée de jeu, il nous propose de réaliser une première. Le trou qu'il vient de nous montrer dans la falaise n'est peut-être qu'une impasse. Pour le savoir, un seul moyen, une escalade en artificiel. Le spéléologue devient alpiniste. Ron, qui connaît bien les roches de sa région, est le premier de cordée. Il sait mieux que nous tous où planter les pitons. C'est bien sûr un remarquable grimpeur. Attention à ce piton parce que dès que tu l'as plus, tu bascules. Hein. Malgré son aide, Gérard a du mal à le suivre sur la voie qu'il a choisie.
La dernière difficulté, une longue traversée en horizontale pour atteindre l'orifice. Nous n'avons pas souffert pour rien. Il s'agit bel et bien d'une grotte. Mais l'épreuve n'est pas terminée pour autant. La première galerie, c'est une longue chatière dans laquelle nous progressons douloureusement sur un lit de cailloux anguleux. Il faut tirer, traîner, pousser notre matériel d'exploration, toujours lourd et encombrant. Au bout de quelques mètres, la caverne change totalement d'aspect, mais la progression est toujours aussi dure. These walls are no good. Yes? Nous devons remonter de longues failles en opposition, arc-boutées sur des concrétions friables. Une progression épuisante sur plusieurs centaines de mètres. Mais au bout, la récompense. Cette vaste salle dont nous sommes les premiers à pouvoir admirer les concrétions. Après un court répit, nous avons quitté le Nouveau-Mexique pour le Texas. Ici, on ne recule devant rien pour pénétrer sans mal dans le monde souterrain. Ce forage, c'est l'entrée d'une grotte texane, creusée par des pétroliers à la demande de la propriétaire, Madame Clara Heidemann. Ce sont nos amis spéléologues d'Austin et de San Antonio qui, avec Tiny Kern, ont voulu nous faire une surprise. Ils nous introduisent auprès de leur compatriote, la richissime propriétaire. Sous son ranch, Madame Heidemann possède deux grottes, une aménagée pour le tourisme et l'autre qu'elle réserve à son seul plaisir. Cette grotte a une histoire. En 1970, Madame Heidemann n'hésite pas à faire sonder son terrain en profondeur. Son but, découvrir par des forages de faible diamètre un éventuel développement de sa caverne touristique Natural Bridge Cavern. 30 forages seront infructueux. Enfin, un beau jour, le trépan traverse une cavité importante. Alors, en bonne texane que n'effraie pas la démesure, elle fait installer un derrick et creuser un forage d'un diamètre suffisant pour permettre la descente d'un explorateur. Bien sûr, pour nous, la descente dans ce tube vertical d'à peine 75 cm de diamètre est une expérience peu commune. Dès que nous sommes dans le tube, nous avons l'impression d'être en plein roman de Jules Verne. I shall tell you, okay. But for the moment, take care to the east. Don't pass the rock wheels. No problem. Et à l'arrivée, nous nous retrouvons au centre de la Terre.
Nous ne descendons pas au centre de la Terre, mais tout au plus à 50 mètres de profondeur. Ok, you rest at the middle, hein? Bien. Ok. Cependant, pour moi, ce forage n'est peut-être pas tout à fait de la fiction. En voyant mes coéquipiers descendre, et avant de descendre à mon tour, je ne peux m'empêcher de penser aux rêves de mes 18 ans. En effet, à cette époque, j'avais proposé à une grande compagnie pétrolière d'explorer des cavités profondes, à plus de 1000 mètres, traversées par leurs trépans. Pour cela, il aurait fallu élargir les forages, ce qui était décidément trop cher pour des puits improductifs et pour tenter une expérience dont l'intérêt semblait bien mince. Que toutes ces grandes bulles souterraines seront peut-être un jour la sauvegarde de notre monde. C'est le seul endroit où l'on pourra stocker sans danger pour l'humanité tous les déchets radioactifs. Naturellement, cette suggestion ne s'applique pas à des grottes comme celle-ci. D'une part, elles sont à trop faible profondeur, et d'autre part, il serait dommage de transformer d'aussi belles cavernes en poubelles nucléaires. Nous débouchons dans une grotte ornée de belles concrétions absolument intactes. Ici, nous n'allons pas sortir du droit chemin, et ce n'est pas une image. Notre exploration se résume à une longue progression sur un sentier balisé par le fils même de Madame Heidemann. Interdiction absolue de salir le plancher immaculé. Concrétion souvent étonnante comme cette stalagmite bizarre que les spéléologues américains appellent fried egg, l'œuf au plat. L'itinéraire tracé n'est pas toujours de tout repos, et il faut tout de même franchir quelques petits obstacles avant d'arriver à cette belle salle, au plafond décoré de fines stalactites que dans notre jargon nous baptisons macaroni. Yeah. Dans la plupart des cas, notre vocabulaire de spéléologue
de scientifique, il est vrai, peu poétique, ne peut traduire la beauté et les merveilles du monde souterrain. Nous ne pouvons que contempler en silence le miracle éternel de l'eau qui crée et façonne le minéral. Non, vous n'allez pas voir de cow-boy et ces images ne sont pas un décor de cinéma. Il est vrai que ce pourrait l'être, car en Amérique, on est passé maître dans l'art de l'illusion. Nous sommes venus ici, dans ce désert, pour visiter une grotte peu commune. Notre progression y est relativement facile, au milieu de belles concrétions et de gourds à l'eau d'une limpidité cristalline. Les chatières elles-mêmes y sont d'une propreté étonnante. Jamais nous ne rampons dans la boue. Et pour cause, seul le décor extérieur était vrai. Le conservateur nous en donne l'explication. You are in a cave, an artificial cave. Vous êtes dans une caverne artificielle construite en béton et en plastique. Quand l'idée vous en est-elle venue? Nous avons commencé il y a 3 ans à ouvrir ce centre. Et en moins d'un an, nous avons eu plus d'un million de visiteurs dans cette caverne. Je vois qu'il n'y a pas d'erreur géologique dans le décor. Les stalactites sont parfaites. Comment avez-vous fait cela? Cela nécessitait l'aide de plusieurs groupes de spéléologues. De notre état, notamment les spéléologues de Tucson, qui furent pour nous une aide précieuse. Les artistes ont travaillé chacun 1000 heures environ pour construire cette caverne. Combien cela vous a-t-il coûté? Cette grotte a coûté près d'un million de dollars. Pourquoi? C'est pour que le public puisse visiter facilement une cavité souterraine et étudier ce qu'il y a sous le sol. C'est aussi un laboratoire idéal pour montrer l'équilibre délicat entre les forces biologiques et géologiques. This serves as a purpose for us to interpret what's beneath the earth. And to introduce a little the people to the... Je vois une inscription, science de la Terre. Qu'est-ce que cela signifie? La meilleure façon d'étudier la Terre n'est-elle pas de mieux connaître le sous-sol? Mais les sommes investies dans la commercialisation du monde souterrain sont loin d'être à fond perdu. La grotte aux États-Unis, c'est une affaire qui marche. Et on n'hésite pas, comme on vient de le voir, à en créer d'artificiels, car les vraies sont peu nombreuses et la demande dépasse largement l'offre. Devant cette affluence dangereuse pour l'écologie souterraine, le gouvernement des États-Unis a fort à faire.
Les cavernes de Carlsbad font partie des parcs nationaux et le but de cette réserve est de maintenir et sauvegarder les cavernes dans leur état naturel afin que le public puisse à l'avenir en profiter au maximum. Et cette politique qui commence par l'éducation des touristes est une réussite totale. Cette grotte, une des plus grandes des États-Unis, est visitée chaque année par plus d'un million de touristes qui viennent de tous les pays, n'hésitant pas à traverser plusieurs milliers de kilomètres. Cette caverne immense est loin d'être totalement aménagée. En effet, elle se développe sur plus de 35 km et s'enfonce à 340 mètres de profondeur à une succession d'étages. Il est évident qu'aucun spéléologue n'a encore pu l'explorer tout entière. Certaines galeries s'ouvrent dans les parois à plus de 100 mètres de hauteur. Une vie ne suffirait pas à escalader les murs vertigineux et à explorer entièrement ces diverticules, véritables grottes dans la grotte. Grâce à Ron Kerbo, notre ami ranger, nous avons eu l'autorisation de visiter ces parties interdites aux touristes. Privilège rare, et nous avons progressé pendant 2 jours dans l'immensité des étages inférieurs. Nous aurions voulu passer des semaines dans les entrailles de Carlsbad Cavern, mais à 30 km de là, une nouvelle grotte nous attend. Et nous reprenons nos sacs. La grotte où nous pénétrons, New Cave, a eu une bien curieuse destinée. Après avoir servi de mine à guano de chauve-souris, utilisée comme engrais naturel, elle est aujourd'hui devenue un laboratoire souterrain. Et là, nous allons voir notre ami Ron et son assistant au travail. Ici, ils font des études climatologiques telles que la mesure de l'évaporation, du degré de l'humidité, de la température ambiante de l'atmosphère et même de la roche. 120. OK. Don't break it.
say 58. 58. The dry bulb is, 64. 64. Car pour bien protéger les grottes des parcs nationaux, il faut aussi en comprendre les phénomènes naturels. Mais à l'heure actuelle, le contrôle le plus important est celui du taux de la radioactivité. En effet, la pollution atomique due aux centrales nucléaires est devenue aux États-Unis une des précautions majeures. S'il s'avérait que les grottes étaient touchées, cela voudrait dire que l'on a atteint la cote d'alerte. Aussi, Ron et son assistant sont-ils toujours munis de leur compteur Geiger. Okay, is it reading? Yeah. What? It's got almost 100 counts. In how long? Oh, stop. Si nous avons passé de longues heures à attendre que Ron termine ses mesures, nous ne perdons pas notre temps car il nous fait découvrir une caverne aux compressions exceptionnelles. Hey, Ron. Ron, quand a-t-on découvert cette merveilleuse caverne? Well, we're not sure. Nous ne sommes pas très certains de la date, bien que l'on parle d'une reconnaissance des lieux en 1933. Comment la caverne a-t-elle été préservée jusqu'à maintenant? Il y a eu une inondation et des rochers cachèrent l'entrée pendant 10 ans. Cependant, il y avait un homme qui se souvenait de cette entrée. Il en parla aux Rangers, qui mirent quand même un mois pour la retrouver. Et alors, elle a été classée dans les parcs nationaux pour la préserver. Y a-t-il d'autres cavernes avec ces mêmes cristaux très purs? Et de quel minéral s'agit-il? Nous pensons que la partie blanche est du Moon Milch sur de la calcite et qu'il y a de l'aragonite par-dessus. La partie rouge, elle, c'est de l'argile que les spéléologues sont en train d'analyser. They don't analyze. Look at that. That is pure aragonite, that. Yes. Good enough to eat, huh? De pierres grises assoiffées pendant 6 mois de l'année, Canyon des Séminoles, à l'ouest du Texas. Comme tous les peuples à l'aube de leur civilisation, les Indiens d'Amérique du Nord ont fait des grottes leur premier temple. Nous longeons interminablement les falaises à la recherche de l'un d'eux. Sur notre chemin, nous rencontrons ces rochers sculptés par l'érosion et nous aboutissons à un immense abri sous roche, long d'une centaine de mètres, aux parois littéralement couvertes de peintures polychromes. Ces formes humaines, ce sont les représentations de chamans, sorciers indiens revêtus de leurs habits de cérémonie, lançant vers le ciel leurs incantations. Un peu plus loin, ce sont des signes géométriques,
des animaux stylisés ou fantastiques, symboles énigmatiques en partie effacés par le temps. Ici, pendant des siècles, depuis les temps immémoriaux jusqu'à l'aurore du XXe siècle, des rites magiques ont été célébrés. Sous cette longue voûte, les tambours ont résonné. Appel à la guerre ou simplement imploration des dieux. Que la pluie tombe enfin, que le gibier soit abondant. Et pendant tous ces siècles, les peintures ont été ravivées et transformées. Les dessins, chaque fois plus récents, se sont superposés aux traits originels. Certains spécialistes n'hésitent pas à affirmer que ce sont là les premiers témoignages artistiques et religieux du continent américain. Mais ce n'est là qu'une hypothèse. Et l'on est loin encore d'avoir percé l'énigme de leur antiquité. Ici, les tribus se sont mélangées, affrontées, chacune annexant les lieux sacrés des peuplades vaincues. C'est une salamandre aquatique, elle aussi entièrement dépigmentée et privée d'yeux. Une aberration de la nature. Ce monstre miniature est-il ovipare ou vivipare? Il est étudié en laboratoire où nous en avons maintenant 6 qui ont atteint leur état adulte. Nous espérons qu'ils vont se reproduire, bien qu'en aquarium. Les mêmes expériences ont lieu aussi en Europe, avec un animal très voisin, le proté. En effet, ils ont réussi en France à Moulis, au laboratoire souterrain du CNRS. Ce que j'essaye de faire ici aussi. Je crois que vous avez effectué des études très poussées sur ces animaux aveugles. Il y a 2 semaines, nous en possédions 25 sur lesquels nous étudions le fonctionnement de leur glande thyroïdienne. Ils ont toujours leurs branchies et ils ne les perdent jamais. Ils sont dans un état semi-embryonnaire et ils se reproduisent en cet état larvaire. On pense que cela est dû à un non-fonctionnement de leur glande thyroïde. Nous utilisons des isotopes radioactifs pour contrôler le fonctionnement de leur glande. Généralement, les spéléologues n'aiment pas fouler les sentiers battus. Ils abandonnent volontiers aux touristes les grottes aménagées. Pourtant, cette fois, nous allons faire une exception, car cette grotte de Sonora au Texas est sans aucun doute l'une des plus belles cavités du monde. Un miracle de la nature. En fait, il n'y a pas de miracle. Une caverne, c'est tout simplement une fissure agrandie par les eaux dans un massif calcaire. Encore faut-il que ces eaux soient chargées de gaz carbonique qui se transforme en acide et ronge la grotte. Paradoxalement, ces 3 éléments, le gaz carbonique,
Le calcaire dissout et l'eau qui les véhicule recrée la matière en formant les concrétions. Ici, par exemple, ces bourgeonnements blancs sont formés par la cristallisation du calcaire contenu dans l'eau transpirée par la roche. C'est le processus de base de la formation des concrétions. Mais à Sonora, nous sommes en présence d'un double phénomène. Cette caverne a été complètement immergée par une nappe souterraine dont le calcaire en solution s'est déposé à son tour sur les concrétions originelles pour créer ce spectacle merveilleux. Nous évoluons dans une véritable géode de cristal et de coraux. Ici, il n'y a pas un seul centimètre carré de paroi qui ne soit concrétionné. Ce monde de fragilité et de délicatesse, nous sommes obligés d'enlever nos casques et progresser avec d'infinies précautions. Connaissons dans ces grandes lignes le phénomène du concrétionnement, il reste encore bien des mystères à élucider. C'est le cas de ces formes étonnantes que nous appelons des excentriques,
véritable défi aux lois de la pesanteur. En effet, comment imaginer que pour former ces fleurs minérales, ces lignes brisées, ces spirales, l'eau a dû s'élever de bas en haut, en tourbillonnant tout en déposant son calcaire, molécule par molécule. L'impression la plus étonnante de cette caverne, c'est ce papillon de cristal aux ailes déployées. Avant de quitter définitivement le continent américain, nous n'avons pu nous empêcher de retourner au Mexique pour aller explorer les puits au perroquet vert de la Sierra Madre. Nos amis américains, Jack Ralph, John Craddock, Blake Harrison et Gareth Davis, ont voulu nous faire une démonstration de leur technique en descendant au fond du gouffre de Guagua. Ok, je pense que vous allez ramener le big rock sur la right side. Ok. Les préparatifs sont relativement simples. Une bonne corde de 10 mm de diamètre, bien arrimée au bloc de pied. Et puis, c'est la descente vertigineuse, 220 mètres de verticale absolue. How long is this rope? 200 or 230. Very new rope. Yep. Pour descendre, il ne faut pas moins de 30 minutes. La remontée durera 2 heures. It's beautiful down here. See? C'est beaucoup plus qu'il n'en faut au perroquet vert qui niche par milliers sur les parois et qui, au petit matin, s'envole en tourbillons successifs.
New rope, fast. About 3 meters on the bottom. I got nearly at a really nasty moment up there. The light from the Supertech concentrated onto the string. À une telle profondeur, pour enregistrer la voix de nos amis sur notre magnétophone, restés près de nous à la surface, nous utilisons des micros émetteurs. Descente dans les puits, c'est pour les spéléologues américains la fureur de vivre. Nouvelle mode. Il s'agit pour eux d'aller jusqu'au bout de leur peur. Aussi, ces gouffres de la Sierra Madre sont-ils le point de rendez-vous d'équipes nord-américaines rivales. Aux États-Unis, tout spéléologue digne de ce nom doit être un jour confronté à ces abîmes. Ok, about halfway. Up, up. Il ne s'agit donc pas ici d'exploration proprement dite, mais d'un pur exploit sportif. Sitôt le pont atteint, nos quatre amis se reposent assez longuement, pendant une heure environ. Ils savent que la remontée va être épuisante. À l'aide de ces gips, ces instruments qui coulissent sur la corde dans le mouvement montant et se bloquent à l'arrêt, ils remontent les 200 mètres à la seule force de leurs bras et de leurs jambes. Yeah, it used to, well, Pete Lord stopped here twice when he came down. Yeah. Ah, crud. Thought we were first. There's not that much loose stuff at the top like everyone's talking about. Apparently it was someplace else. They were talking about. Come on. Well, especially if you know your first deep vertical pit. Even if it ain't your first. Uh-huh. Yeah, little window that we were doing. Yeah. En outre, il leur faut beaucoup de courage pour grimper à deux sur la même corde, ce qui nous vaut ces images étonnantes, filmées à 150 mètres au-dessus du sol. Caris Davis n'a pas hésité à se lâcher des deux mains pour filmer son camarade Blake Harrison, situé à 10 mètres dessous de lui. If you come down in my direction. Okay.
Okay. You're right. Okay. Okay. Yeah. Stuff fixed. Pour Jack, c'était la première expérience de ce genre et il arrive fatigué, mais content de l'exploit accompli. So beautiful. Oh, I didn't want to come out. Oh, that's pretty. Down there. Yeah? Oh, very. 20 birds, huh? Oh, wow. Yeah, look at them all. Everywhere else. And marvelous. Marvelous? Oh, man, great. Beautiful, beautiful fish. Good! This to one? You! Pardon? Go ahead! Oh, no, I did one almost. Go ahead! Look at 490. Thank you.